je suis le vieux malade de Chipagan. Mon âge, je suis né le 7 de juin en 29. Moi, j'ai commencé comme livreur. J'ai commencé, j'étais petit jeune, j'avais à peu près l'âge, je peux dire, de 13 à 14 ans. J'allais remplacer mon père chez l'OV. Mon père faisait un peu de toutes sortes de jobs, puis on allait chercher de l'éplan à choix à la Miscou. Il nous donnait un voyage pour les chats, soit du sel, du gasoline, du foin pour les chats, qui allaient de l'eau dans les chats, des affaires de même. On s'en allait avec un voyage, on décollait d'ici vers 7h30, 8h du matin, pour arriver dans l'après-midi. Parce qu'un chat, c'est pas comme un chat, il n'y a pas de palette pour peser sur le gaz, hein. Ça va pas, puis on va pas le faire. Ça fait qu'on décollait le matin, puis à pied, avec un voyage. Une fois à Miscou, on traversait l'Ordre de Miscou, puis il y avait un vieux monsieur qui s'appelait, oh mon Dieu, là son nom m'échappe, Hiram Marks, un anglais. Il a acheté le plan pour l'OG, puis il avait ça dans un chêne. Là, il nous chargeait notre train de plan, puis il nous mettait à peu près 1000 livres, je mets une demi-tonne, parce que des plans gelés, c'est pas pesant, ça là. Puis on s'en est sur ce côté-ci, chez un Roy, puis nous donnait à dîner. Puis là, on a fait le cheval après dîner, le cheval c'était bien marqué, là. Une heure le cheval pour manger. Ah oui, il faut qu'il mange son avoine, son foin, on lui donnait de l'eau, on l'attelait de nouveau sur la traîne, on s'en est ici pour arriver dans l'après-midi. Puis tu ne peux pas t'assier sur un voyage, tu vas geler, ça fait qu'on faisait le bout du chemin à pied. Oui, puis c'était fret, on avait la baie de Chipagan, c'était à traverser. Si on allait en hacher à y aller à la Mecque, c'était encore un bout de baie. Puis de petit Chipagan Miscou, c'était encore une baie. Puis ici, une baie, il n'y a pas d'abri. Hein. Puis après ça, l'été, on allait travailler dans les champs. À choix à laver la morue, c'était longtemps des goélettes, ce temps-là, des dragueurs, c'était pas connu. Puis même des choses, des bateaux à moteur, c'était pas connu. Il n'y avait pas beaucoup qu'il n'avait, c'était tout à voile. Il n'y avait même pas un radio à bord. Quatre hommes par goélette, puis nous autres. Quand les goélettes rentraient, pas toutes les goélettes, mais ceux qui appartenaient à l'Augué, arrêtaient à l'Augué parce qu'il y avait un quai qu'on appelait le quai à l'Augué. C'était leur propre quai. Puis là, on débarquait la morue pour la laver à Hôtel Noir, dessus sur les ailes, sur les oreilles. Puis Hôtel Sang qu'il y avait en avant. On mettait ça d'une pile. Les vieux salaient ça comme il faut. Puis après ça, quand c'était salé, après deux, trois jours, on passait dans l'eau pour ôter le sel dessus. Puis ils les mettaient sur les vigons pour la faire chasser. Puis après que c'était sec, on rentre ça dans un chêne. Puis quand elle était sec assez, qu'il n'avait assez, c'était pacté dans les boîtes. Puis c'était pas chupé pour transport. Il n'avait pas de transport à ce temps-là. C'est le train qui venait de Bathurst. De Bathurst, il venait de Chipagan. De Chipagan, il allait à Tragadie. Le matin, il décollait de Tragadie. Il venait de Chipagan, puis il s'en allait à Bathurst. Puis on mettait ça dans des boxcars qu'il appelait. C'était chargé. Parce que les portes étaient fermées avec un style, puis c'était chippé sur le côté de Boston. Ils l'ont mouru. C'était ça qui était l'ouvrage dans la morue. Puis petit jeune, on gagnait pas grand chose. Les scènes étaient rares ce temps-là. J'ai travaillé pour 20 scènes de l'heure. Travaillé 10 heures par jour. 20 scènes de l'heure, on commence à 7 heures du matin. Puis il y avait ce qu'on appelait un bargo, c'était pas si long, c'était chez les Anors. À midi, il sonnait du bargo. Bon, là, il faut l'arrêter de travailler. On venait dîner, on commençait à 1h, puis on finissait à 6h. Ça, c'était 10 heures d'ouvrage pour 20 cents de l'heure. Ça, c'était dans ce temps-là, on payait pas cher comme master, mais les salaires. Puis on était contents d'avoir ça, là. Mon Dieu. Puis quand on n'avait pas ça, papa travaillait, avant ça, là, papa travaillait chez Einar Logue. Puis mon père avait un cheval. Ça fait qu'il usait son cheval pour monter les bleuets dans le friseur en haut. C'est un slip, il y avait un slip avec une charrette, puis je chargeais ça. Puis moi, j'allais driver le cheval. Puis quand il n'y avait pas d'ouvrage à faire pour driver le cheval, j'étais petit jeune, d'abord, j'étais seulement haut de main. J'avais de la misère à monter dans la charrette. On avait des choux pour faire des boîtes, ils nous payaient 3 cents la boîte. On faisait 1000 boîtes et allait chercher ça sur Logueville, à Logueville. C'était ça que l'ouvrage des petits jeunes, on avait toujours à faire, toujours. Puis on était contents de faire ça parce que l'ouvrage était rare.
Quand j'ai embarqué chez Logue pour faire la livraison, ça, j'ai pas mis au magasin, c'est... J'ai fait 28 ans pour la même compagnie, oui, chez Logue. J'étais commis de or, comme ça, j'ai embarqué sur les trucks, j'ai fait la livraison. Les 9 premières années que j'ai travaillé, pas de vacances. 6 jours par semaine. Pas de vacances, ce temps-là. Puis des breaks, on connaissait pas ça, c'était un break. Puis ils vont travailler, je fais pas ça, c'est pas ma job. Un autre, je fais pas ça, c'est pas ma job. Mais dans ce temps-là, ta job, c'était tous les jobs. Aller à faire, fallait. Ils payaient comme on avait des billets, des jetons. Il fallait aller acheter là, nous autres, on était payés en argent. Puis on avait le droit, par exemple, à prendre, aller au comptoir, puis acheter comme on dit à crédit. Ils marquaient chargé. Quand la paye était venue, c'était haute dessus, ça. Puis il y avait un vieux monsieur, oh, il y avait une des grands feuilles, il y avait une famille, moi j'avais pas de famille, il y avait eu 2 grands feuilles de même, à la paye, puis il nous donnait ce qui restait, tout était marqué, ce qu'on avait pris. Il s'appelait Napoléon, nous autres on l'appelait Paul. J'ai dit, Paul, t'en as un tarif de coup à payer, tu n'as beaucoup. Il n'y a rien là, il dit, ils sont toujours jamais payés. Il n'avait rien en lien qu'il pouvait pas payer. J'ai rencontré madame, oui, puis ça m'a tiré par ici, ça. Ça fait, j'ai dit, on s'est connu, on s'est fréquenté 11 mois, hein? Ah oui? Oui. Ça ne rappelle même pas. Puis après ça, on a décidé, on a dit, on se marie. On s'est marié le 21 novembre